Regardez, quand je fais ça, on dirait pas un gros fils de... Si tu es nouveau, si t'es là depuis le début ou que t'arrives en cours de chemin, mon pote, je te fais des bisous. Big love, big force, big kishta, big dick. Bon, j'espère que ce style de vidéo va vous intéresser. On va parler Vinted. Parce que pour moi, ça me semblait tellement logique ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Mais au final, j'ai parlé avec 2-3 personnes. Et pas du tout, en fait. C'est pas du tout logique pour tout le monde. Du coup, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser d'en savoir plus, d'en savoir davantage sur comment vendre mieux sur Vinted, comment vendre plus cher sur Vinted, comment vendre plus sur Vinted, comment gérer des meufs sur Vinted. Excellent. Donc dans cette vidéo, on va aborder 9 points pour mieux vendre sur Vinted, mon pote. Et moi, ça a super bien marché avec moi parce que le premier mois où je me suis mis à fond sur Vinted, je me suis fait plus de 400 euros. Donc 400 balles en même pas un mois, c'est déjà... Et ensuite, les mois d'après, je me suis pas fait autant, mais je me suis quand même fait des 200, 300, 80 euros. C'est pas négligeable, mon pote. La vidéo peut commencer, mon pote, et c'est y part. Gag, tu fous la haine, comme celui qui annonce le confinement. Donc c'est pas un remède miracle, avec moi ça a marché, je vais vous expliquer comment j'ai fait et en même temps que je vais parler, je vais vous balancer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 des photos de mon Vinted, des articles que j'ai vendus, à quel prix, etc. Pour mettre des preuves à l'appui. Le premier point qu'on va aborder ensemble, c'est clairement le point le plus chiant qui va te prendre le plus de temps. Mais bon, il faut bien passer par là pour arriver à l'étape suivante. Tu vas aller dans ton armoire, tu vas prendre tous tes vêtements, tu vas les poser sur ton lit et là... tu vas commencer le tri de tous tes vêtements. Quand je dis tous tes vêtements, c'est même les chaussettes, mon pote. Ton armoire, je veux qu'elle soit vide et que tout soit disposé sur ton lit et que tu prennes un t-shirt et tu te demandes est-ce que lui, je le garde, est-ce que lui, je le vends. Donc jusqu'à là, ça paraît simple, mais non, il y a des complications parce que tu vas trier tes vêtements. Il y a des vêtements, tu vas être sûr de vouloir les vendre, d'autres, tu vas être sûr de vouloir les garder et il y a sûrement des vêtements, tu vas le prendre, tu vas faire ouais, bon, on sait jamais. Mon pote, si tu te dis on sait jamais quand tu prends ce vêtement, ça veut dire qu'il faut que tu le mettes sur Vinted. Parce que le on sait jamais, on sait très bien où il termine au fond du placard, et c'est le t-shirt qui te sert à t'essuyer après que tu aies fait le... oui mon pote, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Plus sérieusement, ça va être le t-shirt qui va traîner au fond de ton armoire que tu vas jamais mettre, ou le sweat que tu vas jamais mettre. Les vêtements du style on sait jamais, ça tu mets côté Vinted. Et les vêtements que tu gardes, tu ranges dans ton armoire au fur et à mesure. À la fin de ce méga tri, tu auras côté je garde et côté Vinted. Il n'y a pas de côté on sait jamais. Jusqu'à ici, j'ai été clair. Bon, une fois le grand tri fait, que tes vêtements sont bien rangés, que tu as dissocié le Vinted du je le garde, mon pote, deuxième étape, chiante encore une fois. Mais c'est une étape nécessaire. Donc là, tous les vêtements que tu as mis de côté qui sont destinés à Vinted, tu vas les prendre un par un, mon pote. Oui, tu as bien compris. Tu vas regarder l'état. Parce que tu peux pas mettre en vente des vêtements sur Vinted s'il y a un trou, si c'est délavé, s'il y a des petits défauts, etc. Tu vas garder que les vêtements vendables. Donc, une fois que tu as fait le tri et une fois que tu as vérifié l'état de tes vêtements que tu voulais mettre en vente, là tu peux aller te faire enculer. Là on arrive au conseil qui est pour moi le conseil essentiel qui va te permettre de vendre à des prix plus chers que la concurrence, mon pote, parce que ouais, les autres gens sur Vinted c'est la concurrence, ils peuvent vendre le même article que toi, mais toi tu peux vendre plus cher et je vais te dire pourquoi. C'est simple, c'est la méthode que j'utilise et ça marche. Et ça marche, ça a été prouvé scientifiquement que c'est cette technique qu'il faut utiliser. Là je suis pas en train de dire que j'arnaque les gens parce que si, parce que ça, je suis en train de dire que ma méthode a marché, je vais t'expliquer pourquoi et pour moi il y a une... on va dire que c'est justifié avec tout le travail fourni avant et le travail fourni pendant, etc. La troisième étape, mon pote, c'est de prendre des photos des vêtements portés. Parce que la plupart des mecs sur Vinted, ils mettent des photos de vêtements, mais sur cintre. Du coup, le vêtement, il est froissé, le vêtement, il est pas mis en avant. Ça fait dégueulasse. Donc forcément, le mec, il le met à 2 balles, il va le vendre à 1 €. Toi, tu vas prendre des photos de vêtements portés. Et du coup, ça va faire la différence parce que tu mettras en avant le vêtement. Que ça soit une chemise, un t-shirt, un jean, un sweat, le vêtement, il sera mis en avant par toi. Et du coup, les gens arriveront mieux à se projeter sur l'effet que ça rendra sur eux. Le même principe que quand tu vas sur Zara, les vêtements ils sont pas mis sur cintre à l'arrache, il y a des mannequins qui posent pour mettre en avant le vêtement et toi tu vas devoir faire exactement ça. Tu te prends en selfie devant ton miroir comme moi je fais sur mon Vinted. Bien évidemment tu coupes ta tête si tu veux pas qu'on voit ta tête. Du coup le vêtement est porté pour un article. En gros tu vas prendre une photo du vêtement porté sur toi et tu mets des photos sur cintre, une photo de face sur cintre, une photo de dos sur cintre et une photo de l'étiquette et de la taille, etc. Pareil, ça va te prendre certes du temps, mais le jeu en vaut la chandelle, mon pote, parce que tu pourras mettre des prix plus haut que ceux qui se font pas chier, qui mettent juste des photos sur cintre à l'arrache en 5 minutes. Admettons que t'es le même t-shirt qu'un mec qui est sur Vinted aussi. Lui, il l'a mis à 5 balles, pas porté, il est sur cintre, il est froissé, il y a une mauvaise lumière, etc. Toi, tu le mets porté, on voit comment il tombe sur les épaules, on voit comment il tombe au niveau des bras, etc. Tu pourras déjà
déjà le mettre à 10, voire 15 balles, parce que le potentiel acheteur qui veut ce t-shirt, il verra comment il est porté. Et crois-moi que ça joue de ouf, j'arrive à vendre des articles plus chers que la plupart des autres mecs sur Vinted. Après oui, il y a des prix, je le fais à 3 balles parce que ça vaut pas plus que ça. Généralement, jamais en dessous de 5€, surtout que des fois sur Vinted, il y a des gros casse-couilles qui, tu mets un article à 5€, il va te dire 1,50€. Donc voilà, là c'était le point, prendre des photos propres, porter mon pote. Là on arrive au point suivant, là c'est pour tes photos. Selon ta photo, il faut que tu les recadres bien. Il faut faire attention sur Vinted parce que des fois il y a des meufs qui se font avoir ou des mecs, ils prennent une photo et ils mettent directement sur Vinted. Sauf que Vinted recadre automatiquement la photo, par exemple de ça, et ça c'est ce que tu vois sur Vinted. Mais dès que tu cliques sur la photo, tu vois ça. Il y a des meufs qui se sont fait avoir, genre en bas elles ont pas de jean, elles sont à Walp, ou en haut elles ont une tête comme ça. Donc tu recadres bien, tu coupes au niveau du cou pour les t-shirts. Et pour la luminosité, augmente la luminosité pour pas que si tu vendes un t-shirt qui est rouge, il paraisse orange. Ou augmente le contraste, ou joue avec les jeux de lumière pour mettre encore en avant ton t-shirt, tu fasses en sorte que la photo soit belle parce que toi t'es un putain de beau gosse. Donc là, tous les points qui sont chiants à faire sont déjà passés. Là, on est passé à un niveau en mode branlette. Là, tu peux être allongé, tu peux être sur ton canapé, tu peux être dans ta voiture, tu peux être dans le bus. Donc là, on arrive au point suivant. Ce que je vais te dire, c'est de les mettre en ligne jamais en dessous de 5€. Bon, après, il y a des exceptions comme j'ai dit avant. Tu peux mettre en dessous de 5€ si vraiment ton vêtement c'est de la qualité de merde, que tu l'as saigné, que tu l'as énormément porté, qu'il date, qu'il est vraiment plus à la mode. Tu le mets à 2-3€ et il partira sûrement. Mais ne mets jamais en dessous de 5€ pour prouver aux gens que c'est de la qualité et pour, surtout, pour le temps passé à faire ce que tu as fait avant. Tu t'es fait chier, t'as perdu du temps, t'as pris du temps. Ça a pu te prendre une après-midi, une journée complète. Et la plupart du temps, je pense que j'ai vendu à 10 balles. Après, oui, comme j'ai dit, j'en ai vendu à 2-3€. Le mieux, c'est vraiment de mettre 5€ minimum. Il n'y a pas de maximum, ça. Après, tu mets selon la marque, selon la qualité, etc. Comme ça, en plus, tu cibles, on va dire, les clients. Parce que si tu mets 1€, ça va attirer que les pinces qui sont pas prêts à mettre plus de 50 centimes dans ton vêtement. Après, je critique pas les gens qui négocient à 50 centimes, etc. Chacun ses moyens, chacun fait comme il veut. Donc, maintenant, nous passons encore au point suivant. Tu dois envoyer tes colis. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Certes, c'est mieux d'avoir un bel emballage, des trucs professionnels, mais toi, t'es pas professionnel. T'es sur Vinted pour te faire de l'argent en plus. Si t'as des beaux trucs pour les emballer, bah ok, fais avec. Si t'as pas, tu fais avec ce que t'as, tu fais avec les moyens du bord. J'ai déjà envoyé des colis dans des cartons de steak haché surgelé, dans des trucs de croquettes. Moi, ce que je fais personnellement, après, t'es pas obligé de faire comme ça, mais tu glisses des cadeaux dans tes colis. Enfin, quand je dis des cadeaux, c'est pas des PS4, des PS5, des jeux vidéo. Hein. Moi, ce que je mets, c'est des autocollants DBZ ou Naruto que j'avais acheté sur Wish. T'en mets 2-3 par colis, ou si t'as des autres trucs, tu mets des bonbons, des gâteaux. Enfin, une petite attention qui fait toujours plaisir quand tu ouvres. Et aussi, ce que je fais, c'est que avant de l'envoyer, bien évidemment, le vêtement est propre. Donc, je l'ai lavé, et quand il est sec, je mets un peu de parfum dessus pour que quand la personne ouvre le colis, ça sente le mal dominant, le mal alpha, mon pote, parce que mon parfum, c'est du parfum de bonhomme. Parce que le mec va ouvrir, si ça pue le renfermer, il va se dire ah ouais, vas-y, il l'a pas lavé, il a rien du tout. Et en plus, si par malheur ton vêtement, tu sais pas pourquoi il pue et qu'il y a un petit cadeau à l'intérieur quand même, ça peut rattraper la jauge d'erreur que tu as fait, tu vois. L'emballage, tu t'en fous, ce qui compte, c'est l'intérieur, qu'il soit bien plié, le petit cadeau si t'as, ou des petits bonbons, des conneries. Voilà, ça c'était pour l'emballage. On passe au point suivant qui est, bah, en fait, l'envoi. Essaye d'envoyer le plus rapidement possible. Certes, je te demande pas dès que tu reçois une commande et que c'est confirmé, tu cours poser ton colis. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas en fait. Admettons, parce que surtout quand tu vas commencer sur Vinted, mon ref, tu vas mettre plein de vêtements. Du coup, les gens, ils vont te voir dans la file d'actu, tu vois. Du coup, ils vont tous commander presque le même jour. Mais ça sera que au début, parce qu'après, t'auras une commande là, une commande là. Quand tu vas avoir plusieurs commandes le même jour, admettons que tu aies eu toutes tes commandes le mercredi, essaye de poser tous tes colis le samedi. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est carré. Au lieu de mercredi, t'as une commande, allez poser mercredi. Jeudi, t'as une commande, allez poser jeudi. C'est casse-couille, ça te fait perdre du temps, ça te fait courir à droite, à gauche. Donc, on va dire que t'essayes de te définir 2 jours par semaine sur où tu envoies les colis, que t'en aies 1 ou 10. T'as capté ce que je voulais dire ou pas? C'est une question d'organisation, mon ref. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tout ce que tu as fait avant, ça te rapportera des bonnes notes. Les bonnes notes, ça donnera confiance à tes futurs acheteurs. Tes futurs acheteurs, eux aussi, te laisseront des bonnes notes. Si tu envoies vite, si tes photos sont propres, si les articles sont conformes à la description, que tout ce que tu as fait avant, c'est réel, c'est carré, il n'y a pas de raison que tu aies de mauvaises notes, sauf s'il y a des rageux. Il se peut très bien que tu envoies un article, que cette personne dise ouais, c'est pas conforme, et te le renvoie, sauf que cette grosse pute te l'a renvoyé déchiré parce que c'est une grosse pute et qui s'est fait rembourser entre temps. C'est rare, mais ça arrive. Et du coup, je viens de penser à un truc que j'ai pas noté dans mes notes pour cette vidéo et que pourtant c'est un point essentiel. Quand tu mets des articles en ligne sur Vinted, le mieux c'est de pas mettre tout le même jour parce qu'en fait, Vinted va te mettre en avant quand tu mets des articles. On va dire qu'en une journée, tu as réussi à prendre des photos de 20
article et que tu mets les 20 photos le même jour, bah Vinted va te mettre en avant que ce jour-là. Alors que si tu essayes de faire 5 articles là, 5 articles là, 5 articles là, Vinted va te mettre en avant plusieurs jours. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur mon Vinted. Hein. Si vous négociez, mais que vous me dites que c'est via cette vidéo YouTube, là je pourrais pas te dire non, tu connais. Après, il y a des manières de négocier, tu vois. Si j'ai mis un article à 5 balles et que tu proposes 1 euro, frère, je te jure, on va se péter. Si j'ai mis un article à 5 balles et que tu me proposes 20 euros, là je te jure, je te suce la bite, mon ref. Vinted, c'est bien pour se faire de l'oseille. Ça va te prendre du temps au démarrage à te lancer là-dedans, on va dire. Mais moi, je vais réinventer votre slogan Vinted. T'as besoin d'oseille, mon pote. Vends tes vêtements que tu mets plus. La tête de homme, vends tes vêtements, mon ref, parce que comme ça, tu vas te faire du blé. Donc Vinted, si quelqu'un qui travaille chez Vinted voit cette vidéo, je t'invite à me contacter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider et aura pu te faire comprendre que Vinted, c'est pas juste des 5 euros, des 6 euros, que tu te fais 5 euros par mois. Non, mon pote. Tu as un potentiel de vente sur Vinted, mais c'est affolant. C'est tout simplement affolant. Moi, quand j'ai fait ça, va t'y pas que j'y ai pas cru au début, quoi. Je me suis dit 400 balles en même pas un mois sans poser une brique parce que de bas, je suis dans le bâtiment, quoi. Si tu as kiffé ce genre de vidéo conseil, bah, n'hésite pas à me le prouver par un excellent. Si tu as kiffé aussi, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas à donner toi tes astuces pour te faire de l'oseille grâce à Vinted. Je vous fais des bisous. S O le S depuis Gomorrah, masqué comme dans. Je le vois en rouge ou chihuahua.